Peugeot, c'est une histoire d'amour avec l'automobile, mais c'est aussi une histoire d'amour avec le sport automobile. Historiquement, Peugeot a réussi à faire des voitures exceptionnelles, surtout dans les rallyes, mais la plus exceptionnelle de toutes, ça restera probablement la 205 T16. Pour asseoir la notoriété de la 205 classique, vendue à plus de 5 millions d'exemplaires, Peugeot se devait d'être présent sur les rallyes internationaux. Avec la sortie de Talbot du WRC et l'arrivée du groupe B, naîtra Peugeot Talbot Sport, dirigé par Jean-Todt. Moteur de 1775 cm3, 16 soupapes, turbocompresseur KKK, la voiture était plus légère que toutes ses concurrentes. Gagnant une course en 83, elle fait 50% du championnat et gagne l'intégralité des courses en 1984. En 1985, la 205 T16 Evo 1 explose et confirme son potentiel. 1986 comme 85 seront dominés par les 205, Kankkunen gagnant le titre de pilote et Peugeot le titre constructeur. La fin prématurée du groupe B poussera Peugeot à réinventer le futur de sa voiture. C'est l'arrivée de la 205 Grand Raid. Le châssis est rallongé de 30 cm, le réservoir passe à 435 litres, le moteur est porté à 1900 cm3, mais la puissance, elle, est limitée à 400 chevaux pour des raisons de fiabilité. La Grand Raid gagnera facilement le Dakar aux mains d'Ari Vatanen en 1987. Elle réitère l'exploit l'année suivante et en 89, elle est remplacée par la 405 T16, clôturant une des plus grandes pages du rallye automobile chez Peugeot Talbot Sport.